Bonjour et bienvenue à un autre vendredi Technique Mixte. Aujourd'hui, je vais préparer une toile de 8 par 10 avec un tampon de Bloom, c'est-à-dire Jamie Doherty, une pellicule de plastique assez spéciale et j'essaie pour la première fois les Neo Color 2 de Caran d'Ache.
théorie, j'aurais terminé. Mais ce que j'aurais aimé faire, puis j'aurais dû y penser avant, c'est d'ajouter un peu de noir, un peu d'encre alcool noir sous les papillons quand j'étais en train de les colorier. Ça aurait donné une autre dimension. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Neocolor 2 noir parce que c'est écrit sur n'importe quelle surface. Et je vais faire quelques marques sur quelques papillons. Alors, je suis sur le dessus, comme vous pouvez voir. Vous voyez les traits de crayon ici. Je vais le faire sur le jaune pour que vous voyez un peu mieux. C'est sûr que j'ai ajouté de la dimension, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais on peut voir tout de suite les traits de crayon. Et ça, ça va rester sur l'image tant et aussi longtemps que je ne passe pas un linge sec ou humide pour effacer. Alors, juste à toucher un peu avec mes doigts, ça ne s'enlève pas. Mais si, je vais vous montrer sur un morceau de... sur le même matériel que j'ai utilisé pour les papillons. Alors, je fais ma marque et je peux effacer avec mes doigts comme ça, en pesant très fort. On peut effacer également avec une lingette humide. Mais tant et aussi longtemps que je ne frotterai pas, ça va rester comme ça. Alors, c'est une autre façon d'utiliser les néocolores. Si vous avez bien regardé les vidéos, je pense que je me suis vraiment amusée. J'adore. Alors, je vais probablement aller me chercher quelques couleurs. La toute dernière chose, c'est qu'elles écrivent sur n'importe quelle surface, poreuse et non poreuse. Donc, la vitre, le plastique, le bois, le papier, pas de problème. Alors, c'est un instrument qui est, comme je vous disais, très versatile, qui va probablement aller dans ma collection. Et les crayons se vendent à l'unité et également en ensemble de différentes quantités. Je crois que le premier, c'est un ensemble de 30. Le Clearly for Art de Wendy Vecchi, tellement amusant. C'est pas un shrink plastique qu'on connaît. C'est un plastique qui, quand il est amolli, on peut le mouler, mais il ne rétrécira pas. La deuxième chose qui est super intéressante, c'est que si on se trompe, comme vous m'avez vu le faire, on n'a tout simplement qu'à réchauffer de nouveau et il va revenir à sa forme originale. Alors, ça ajoute une superbe belle dimension à ma petite toile. Et je l'aime. Oh, il y a une autre chose que j'ai oublié de vous mentionner aussi, c'est que les néocolores, on peut les utiliser, on peut les estomper avec nos doigts et on peut également se servir de tortillons en papier comme j'ai fait. Alors, vraiment, il n'y a aucune limite à ces crayons-là. Évidemment, l'inspiration principale, c'est le beau tampon de Jamie Doherty. Et avec les papillons en dimension comme ça, ça rehausse, ça met en évidence le beau visage qu'elle a fait. Et pour ce qui est de la texture, j'ai gardé ça au minimum parce que je voulais que les papillons soient mis en évidence, mais je tenais quand même à avoir quelque chose, évidemment, à l'arrière-plan. Alors, j'ai pris deux pochoirs avec de la fibre légère, pas de la fibre, mais de la pâte à modeler légère. Et comme vous voyez, il y a quelques endroits que j'ai gardé blanc par exprès. Je voulais pas mettre la couleur jusqu'au bout de la toile. Alors, ça met encore plus le dessin en évidence.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les ici-bas dans les commentaires et je vous reviens mardi.